Bonjour les amis, je viens de découvrir cette série de filtres sympas avec les signes du zodiaque, mes anciennes amours d'il y a 30 ans. Et puis j'avais envie de, voilà, de faire une petite story en lien avec ça. Donc là, vous voyez ce qu'il y a sur mon visage? C'est le glyphe du signe du bélier. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, le feu de la terre, celui qui initie l'énergie, qui la lance. Et pour moi, c'est une énergie qui a beaucoup à voir avec la vibration du début de journée, du matin. En particulier le matin, qu'est-ce que j'ai comme énergie à ma disposition? Comment je vais adapter ma journée à l'énergie dont je dispose? Et surtout, ben voilà, le bélier, il est régi par Mars, qui est une planète dont la vibration nous demande de donner une direction à notre énergie, parce que l'énergie, quand on ne lui donne pas de direction, ben, elle se disperse. Donc moi, c'est précieux en début de journée de prendre un petit temps pour regarder, premièrement, qu'est-ce que j'ai comme énergie en ce moment? Quelle est l'énergie dont j'ai à ma disposition pour cette journée? Deux, bah peut-être d'adapter un peu le programme de la journée suivant ce que j'ai comme énergie. Et puis trois, aussi de regarder de quoi je voudrais me souvenir aujourd'hui par rapport à mon intention. Quelle est mon intention pour cette journée? Et ensuite d'être très réaliste et de savoir qu'il y a de fortes chances qu'en étant ensuite accaparé par tout ce qui va se passer dans ma journée, je risque d'oublier mon intention. Donc quelqu'un m'écrivait en message privé hier soir, waouh, j'aimerais bien me souvenir, avoir un petit rappel toutes les heures de ce que tu dis. Ben, c'est possible, hein, vous avez un téléphone. Donc il vous suffit le matin de vous dire, ok, c'est quoi mon intention pour la journée, qu'est-ce que je veux vivre? Et puis de vous mettre un petit reminder, un petit timer qui sonne régulièrement et qui vous rappelle votre intention. Voilà les amis, j'espère que ça vous donnera une petite piste pour cette journée, pour diriger votre intention et pour porter votre attention là où vous avez le plus de chances de vivre votre intention. À plus tard, au revoir.